Salut les potos, comment ça va? Dans cette vidéo, vous allez voir, on a rejoint Tony Nomade de LG au lac de Véron. Avec, il y avait aussi, on a rencontré Billy Roots là-bas. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, mettez un j'aime et lâchez des commentaires, ça nous aide à progresser, ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss les potos, bisous bisous. Bon les potos, une bonne journée de travail de fête. Vous avez vu hier, on a quitté les potos, Tony Nomade de LG et puis la tribu libre comme l'air. C'était un super week-end. Bon là tiens, on n'est plus chez Romain pour l'instant, on a voulu changer un peu de crèmerie. Bon et puis on est nomades nous. Donc là on est parti sur un petit spot, j'essaierai de vous filmer, vous allez voir c'est sympathique, il y a pas mal de petites balades à faire et tout. Il y a même une forêt et tout, il y a des randos à faire et tout. Donc j'essaierai de vous filmer tout ça quand j'aurai 5 minutes. Là il y a quelqu'un qui vient voir ma voiture, le BM là, que j'ai à vendre. Donc on va voir ça si à part ou pas. Et voilà les potos, je vous retiens en courant, bisous bisous. Regardez, je vais vous filmer un peu l'arrivée vers le spot. Vous avez vu comment c'est joli, c'est stylé. Hein, enfin, moi j'adore. Bon, le temps il est pas ouf, mais bon. Et le spot il est tout au fond là-bas. Je vais vous filmer un peu ça, enfin l'arrivée du spot. L'arrivée pour aller au spot, on va dire. En gros, il y a déjà un camion là, mais. Vous avez vu, il y a même un petit lavoir et tout. Mais de toute façon, on fera une balade à pied, je vous montrerai tout ça correctement, quoi. Le spot en lui-même, quoi. Après, le spot en lui-même, c'est vrai que vous allez me dire, des fois il est pas ouf non plus, hein. Mais bon, nous ça nous suffit amplement. On va passer une semaine là. La semaine prochaine, on sera ailleurs. Regardez, je suis là. Et la bonne. Ma petite femme qui est dehors. Bah ouais, parce que comme je vous dis, quelqu'un qui vient pour le BM, donc il va venir par la voiture. Ma petite femme, elle est là. En train de préparer le BM. Voilà notre spot. Il y a des jeux là-bas, il y a des aires de jeux pour les gamins, tout ça. Et puis l'avantage ici, c'est que bah, la petite chouchou, elle est bien. On est juste à côté, en fait. On est juste derrière, il y a le jeu là, comme je vous ai dit hier. Enfin, je crois que c'est hier que je vous ai dit ça. Et là, on est juste là, donc on peut jeter un œil directement sur elle. Ma petite fille, ma petite chouchou, l'amour. Chouchou! Elle est contente. Bon, ce soir on s'est pas embêté. Hein. On a fait une petite commande là. Bien manger. Bah oui, bah il faut. De temps en temps, on travaille, il faut se faire plaisir. Hein? Et puis on n'avait pas envie de se casser la tête. Non, papa, le pain il est mou. Normal, ouais. Ouais. On n'avait pas envie de se casser la tête, donc voilà. Allez, bisous les potos, bonne soirée à vous, bisous bisous. Ma petite femme, elle se régale. Moi j'ai fini de manger. Taille il a calé, mais c'est pas grave, il finira demain midi. Aaron, pareil, ils ont calé, ils finiront demain midi. Pituchou, pareil, elle se régale. Bah, elle a pas mangé toutes ses frites, mais bon. Rocky, t'as bien mangé? Que lui aussi, il en a eu un petit peu. Naya, pareil, elle en a eu. Chanel aussi, elle a eu 2-3 frites. C'est pas normal, hein. On est tranquille sur ce spot, franchement. Bon, il y a nos deux voitures qui sont là, ça fait un peu, voilà, mais... Honnêtement... Normalement, le gars, il prend le BM, là. Ils sont venus voir le BM, il le prend. Puis il y a un camping-car et un autre truc derrière. Un camping-car aussi. Franchement, on est tranquille. Sauf la pluie, c'est chiant. Allez, c'est reparti pour une journée de boulot, les potos. On écoute un petit peu de Jules, mon smoothie. Ouais, bah j'ai pris le BM ce matin. Ok, il est passé normalement, il est passé hier soir. Normalement, il risquerait de le prendre. Dans me retenir au courant, c'était hier ou dans la matinée. Donc, on en profite un peu, le dernier moment avec le BM. Ouais, bon. Après, puis BM. Après, je vais racheter une autre, mais c'est une petite voiture, quoi. Histoire d'aller au taf. Ça, plus tard, on pourra la mettre sur le terrain. Et ce week-end, on risquerait pas de bouger là-bas du petit spot, parce que franchement, il est vraiment bien ce spot-là. Et pour faire des petites randos, tout ça, on va essayer de faire marcher un peu Rocky, parce que ça fait longtemps qu'il a pas marché non plus, le chien. Donc, voilà. Allez, des bisous, les potes. Regardez ça les potes, la taille du sandwich que ma femme m'a préparé. Jambon beurre, excellent. Ah, merci ma petite femme, je t'aime. Bon bah la journée de boulot est finie les potos. On va aller faire un petit tour à pied, on va se promener un peu là-bas, il y a une voie verte. Enfin on ira faire le tour du Bécaillon parce que c'est joli, on ira faire un bon petit tour à pied. Parce que normalement ce week-end on bouge pas. Donc à moins qu'il y ait un changement de programme, mais logiquement on bouge pas. Ce week-end c'est repos du guerrier. On a vu, la voie verte a fait par là. Et de l'autre côté, là, on va aller faire un petit tour à pied par là-bas. Il y a même, on peut monter en forêt aussi là-bas.
Ah, tu vois, on va faire une petite rando comme je t'ai dit, enfin rando, petite balade, hein. J'ai juste tapé ma journée de boulot. Donc jusqu'à Évreux. Ouais, par la voie verte. Ouais. Faut aller jusqu'à Évreux d'ici. Enfin, jusqu'au Neubourg même. Jusqu'à Évreux. Sinon on est au bec et loin. Là je sais pas, t'as une maison mais ça doit être abandonné parce que depuis qu'on est là on a vu personne. Là, tu peux aller par là, tu vois. On va y aller ce week-end, on va essayer de monter un peu en forêt là-haut, pour voir. Ce qui va faire du bien, lui, comme je vous ai dit dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma petite femme, encore. Oh. Là, je disais, hein, Rocky, on va lui faire un peu de marche, ça fait un moment. Ah oui, ça commence à être un vrai cochon, lui. Moi, je vous reprends tout à l'heure. T'as regardé, il y a l'abbaye aussi qui est là-bas, là. L'église qui est plus loin. Ah, je disais à mon tio, là, j'ai ce week-end, je risquerais de faire un petit coup de détec, là, pour essayer, comme il y a une abbaye et tout. Et ça fait longtemps qu'elle existe, cette abbaye-là, moi, j'ai toujours connu ça comme ça. Ouais, vous avez vu, il y a des petits obstacles, parcours pour les vélos. Ouais, désolé. Fatigué, le gars il a du mal à parler, ça y est. Vous avez vu comment c'est nature ici? Franchement, avec la forêt derrière et tout, c'est pour ça ce week-end, si on bouge pas, y a pas de soucis, je fais un coup de détec. Il y aurait ça dans les. Dans la suite des vidéos, quoi. C'est bien vert, hein. Ah, c'est la Normandie, hein. C'est pas l'Espagne, hein, ni le Portugal. Hein. C'est vert de chez vert. Ouais, au Portugal c'est plus vert aussi, ouais. Quand même. Là, il y a le gros cochon, là. Et puis anciennement, bah là, derrière le mur, c'était la cour de l'abbaye. Enfin, c'est toujours la cour de l'abbaye, mais ça, y a plus trop de bonnes sœurs et tout, quoi. Ça se perd. Viens, cœur. Tiens, regardez, là, en bas, là, juste après, là. Ça a l'air d'être sympa, ça a l'air d'être la rivière. En fait, il doit y avoir la rivière qui passait dans l'abbaye, en fin de compte. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Bon, c'est dommage, il n'y a pas assez de profondeur pour la pêche. Je pense qu'il y a des petits poissons. Je pense pas. Mais... Ah, c'est joli le muret en pierre, là, il est stylé. Ouais. Bah, je pense pas, moi. Pas l'air d'être assez profond. Quoique, après, ça va rien dire. Tu peux avoir une truite qui se promène. Là. Ah, c'est sympa. Je pense qu'on est vieux, on va pas dire la voix des fois. Ah, c'est possible. Ouais, en remontant, il y a le petit truc d'escalade. Pierron m'a dit il y a un calcul. Là, il le dit pas. Mais bon, il est simple, le calcul. Si vous voulez le commentaire. Voilà. Mais bon. Pas, si vous trouvez pas, les gars, faites peur. Ouais. Bah, sauf si c'est des petits. Quoique, ouais. Papa, regarde comme une escalade. Non, ça fait pas ça. Hein. Ah, il y a l'air d'avoir un truc là avec la. Sûrement la biodiversité ou je sais pas. Ah oui, les empreintes. Ah, c'est sympa. Bah, c'est l'écureuil. C'est les empreintes. Le blaireau. Empreinte de chevreuil. Et ça, c'est une empreinte de cochon. Sanglier. Plus précisément. Là, il y a des mini pattes. C'est pas mal, c'est sympa. Ah. Et regardez, là, il y a eu un carnage. Là, c'est tombé. Bon, ils ont coupé. Hein. Est-ce que ça devait être sur le chemin? Oh, le méchant carnage, toi. Ah, oh, bah oui, là, dis donc, celui-là. Lui, ça a dû faire un boucan quand il est tombé, lui. Oh, laisse tomber. Bah, même là, regarde la branche, là. Ah, oh, bah, carrément. C'est tombé. Roddy, t'as pas vu le tronc, toi? Les racines, toi, là-dedans. C'est tombé. Tombé jusqu'à la rivière, le truc. La rivière, elle est là-bas. Qui suis-je? Mon écorce, blanchâtre et lisse, se détache souvent en lanière horizontale. Je suis une espèce pionnière qui colonise ou recolonise un espace laissé libre par l'érosion, une tempête ou encore un terrain en friche. Je suis très rustique, mais ne vis pas plus de 100 ans.
Qui suis-je? Bon, on revient de la petite balade. Regardez la petite chouchou comment elle va vite avec sa trottinette. Waouh! La belle trottinette qu'on a achetée en Espagne pour son anniversaire. Ouais, j'ai dit aux gars, ils font un peu la tête, mais parce que je viens de passer ma journée au boulot, tu vois, on va faire un petit tour vite fait. C'était pas long, on a fait un tour de un quart d'heure. Mais bon, ce week-end, on va faire mieux. On va se rattraper. Eh ben, les potos, on vient de se lever ce matin. Eh ben, je vous garantis qu'il fait chaud. Non, il caille. 4 degrés ce matin. Ah ouais, ça va faire drôle. Et demain, 3 degrés et tout. Ouais, donc. On va rechercher un peu de gasoil pour mettre dans le webasto parce que là, franchement. Bon, ça va bientôt se passer. De toute façon, les gelées, c'est jusqu'à la quinzaine de mai. Hein, donc, Bon, bah, la journée de boulot est finie, les gars, ils sont en train de s'amuser un peu. Attendez, regardez! Non, c'est moi. Et le cas, c'est ouais, doucement, les gars, doucement. Ah, c'est des Brutus. Il est toujours sur ce petit spot là qui est bien. Regardez la raclette dans le camping-car commencer. C'est trop trop bon. Ah, mon petit cœur. Ma petite femme que j'aime. Nous on fait comme ça. Bah, on n'a pas d'appareil à raclette donc on fait comme ça et ça marche très très bien. Ah, franchement, cœur, ça marche bien. Regardez-le. Je viens d'y donner un bout de raclette là. Il l'a avalé en 2 secondes. Il a même pas senti le goût. T'as senti au moins, Rocky? Est-ce que t'as senti le goût, Rocky? Il était bonne la raclette? Elle était bonne? C'est bon ça. Elle a un goût de reviens-y ou pas? Et il l'a gobé en 2 secondes, les potos. Comme on dit, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Et des fois, surtout quand il caille comme ça, là. Là, il fait 3 degrés ce matin en Normandie. Quand est-ce qu'on va avoir des bonnes températures, mon poteau? Ah là, ouais, je vous jure les gars. Ah oh, ça va, on a ça pour se réconforter. Si tu veux de mieux. Et le chant des oiseaux et tout en plus. Avec la forêt derrière. Donc, qu'est-ce que tu veux de mieux? Là ils mettent des bus, mais il n'y a pas de bus. Depuis qu'on est là, on n'a pas vu. Fais ça les gars sans jaillir avant d'aller au boulot. Bah je sais pas, moi j'ai la tête dans le cul mais le matin ça me dérange pas de mettre la musique à fond pour aller bosser et me réveiller. Rien à foutre, ça réveille la tronche. Bon allez, bisous les potos, bonne journée à tous. Bon, ma journée de boulot finie. Là on a le petit cutéreux qui est en train de refaire sa... Enfin, un cutéreux agriculteur qui est en train de refaire ses poteaux. Oh, on est bien ici, je vous le dis moi. On est bien, mon tintin. Et tu vois, je me suis posé là pour fumer ma clope, tranquille. Les petits ont mangé et tout ça. Nous, on va manger juste après, là. Demain, week-end. Normalement, on va peut-être bouger, mais c'est pas sûr. Je vous en dirai plus demain. Et j'étais en train de me dire, des fois... Bon, je suis peut-être... Voilà, mais qu'est-ce que l'humanité me fatigue. Et là, regardez ici, qu'est-ce qu'on est bien. C'est calme. Le bruit des oiseaux et tout. Mais c'est là que tu fais ta pause. Entre sorcier puis tu te dis putain franchement et bah pour rien au monde je retournerai en appartement pour l'instant ou en maison. Sérieux. Allez c'est parti les potos, direction le week-end. La semaine de boulot est finie, impeccable. On a sorti la tête de mort. Allez c'est parti, on va retrouver les potos. Bah Tony Nomade de LG, il y aura peut-être Billy Roots, normalement, à voir. Allez, je vous fais des bisous, je vous filmerai peut-être vite fait ce soir, mais on va arriver tard. Donc, je vous reprends ce soir ou demain, je ferai des vidéos, enfin, on verra. Allez, des bisous les potos, bisous, bisous. J'aurais su, les gars, je serais pas monté dans le sud, regardez ce qu'elle nous fait. Dans le nord, pardon. Ah. Regardez ce qu'elle nous fait. Elle est en train de mettre des chaussettes de ski, les gars. Je perds les téléphones, je perds tout, quoi. Contact avec le monde, je suis content qu'il ait survécu. Bon, du coup, on est bien arrivé au lac de Béron hier soir. Donc là, il y a
Il y a le petit père Tony qui est là. Là, il y a Billy, Billy Roots. Bah, Billy, je l'ai pas vu plus que ça, donc... J'ai vu 2 heures hier. On est arrivé tard. Hein. Je vais vous montrer un petit peu le lac de Véron. Eh, franchement, ça a l'air d'être top ici. Par contre, c'est vachement en plein vent. Ah, ça doit être un restaurant, c'est pour l'été. Ça me fait penser un peu au lac de Ciel Guillaume ici, mais... Bon, j'ai une voix bizarre, c'est normal, je viens de lever. Il y a même un truc pour les voitures électriques. Il y a un air de jeu pour les enfants. Non, bah, il faut le compter. Pardon. Je suis malade. Nous voilà arrivés au lac de Béron. Lac de Béron dans les Ardennes. Regardez, on n'a pas un trop mauvais temps. C'est le lac de Tony et Lulu. C'est écrit là, à l'entrée. Non, je rigole. Bon, c'est mis là, franchement, j'ai bien dormi. Bon, on s'est couché un peu tard, mais bien dormi quand même. Dans champ de perdu. Si vous venez au lac de Béron, enfin dans les alentours et que vous voyez un chien, enfin un chien comme ça surtout, là j'ai camping-car qui est là. Hey, je suis essoufflé, les gars. Moi, j'aime bien le vieux. Ok, bien Tony, Lulu. Non, le camping-car de Billy. Allez, voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. Là, on a le petit Abidi qui veut aller faire un petit peu les jeux avec, bah ouais, il va avec jouer les gars. Là. Bah, avec les gamins. C'est normal, hein. Quand les petits se retrouvent comme ça, en général, bah. Quand il y a des enfants ensemble, on était pareil, nous. On kiffait aller jouer avec tout le monde. C'est ça aussi, quand on partait en vacances avec les parents à l'époque, quand on était petits, dès qu'il y avait d'autres enfants, on y allait. Et puis... De plus, bah, là, c'est rigolo parce que j'ai dit, je te mets le dessin animé. Il y avait les gamins, il a, hey, laisse-moi tranquille, tes dessins animés gardés. Il s'habillait, il se passe direct. Allez, ouais, bah, jouer. Bah, nous, on était pareil. Et d'ailleurs, ça faisait des vacances aux parents, hein, faut le dire. Oh, oui. C'est clair. Ouais, donc les gars, ouais, c'est ça, il y a un petit panneau, je vais vous filmer ça un petit peu vite fait. Il est beau, hein, le lac, hein. Base de loisirs, départementale du lac de Béron. Ouais, franchement, il est bien, le lac, tout. Et puis, c'est calme, l'été, ça doit être super, ici. Hop, il y a des jeux là, il y a des jeux là-bas. Ouais, c'est sympa, c'est cool. T'as regardé, Billy Roots, s'il fait son montage. Ouais. Je suis avec Billy Roots, ces gars. Regardez un peu comment il est assidu et comment il est concentré et comment il travaille, le petit. Hein, regardez s'il prend ses abonnés pour des cons. Et je fais ça, tout ça pour vous, les gars. En plein courant d'air dehors, comme ça. Pour nous. Alors, c'est vraiment en plus. J'essaye de me mettre ici dehors pour en profiter avec les copains. Et en même temps, je travaille pour vous, les gars. Pour vous montrer tout ce qu'ils font, ces mecs-là, en dehors des vidéos. Ils sont concentrés au travail, les gars. Venez sur ma chaîne, vous verrez ce qu'ils ont fait hier, les gars. Vous serez étonnés. Le mec, il fait sa promo normale. C'est Billy Roots, les gars. C'est bon, on n'a pas besoin de dire, on n'a pas besoin de dire, allez vous abonner. Hein. Ouais. Il a tout le temps quelques secondes. Et les gars, Lulu, là, en train de nous faire un cassoulet maison. On va se régaler. Je veux pas être sur YouTube. Je t'ai pas filmé, hein.
Eh, j'ai fait à ma graisse alors que j'ai pas filmé. Eh, vous avez vu les gars comment elle est? J'ai mis sa tronche. Bon, Naya, c'est pareil, elle s'est rouvert le... Je vous l'avais dit le week-end dernier, elle s'était ouvert l'ergo. Bah, c'est reparti, là, elle s'est rouvert la patte en allant dans le champ derrière, là, dans l'herbe. Non, pas la patte, on parle l'ergo. Ouais, l'ergo, ouais. La patte, c'est... Tiens, regardez les gars, du coup, je peux regarder un peu... Enfin... Ah bah non, y a rien encore dans la pièce. C'est là, on gogole. Où? Au fond. Ah. Regardez, cette casse sous les maisons. Ça, ça va être bon, ça. Et déjà, je le sens, ça sent trop bon. Ah, c'est une furie. Mm. Non, bah on est fait un ouais. Tiens, regarde. Je m'étonne. Tu casses sous les maisons. Ça va péter sec. Allez, c'est parti, Gobi, ils sont là. Ah, le klaxon. Allez, bonne route, Billy Roots. Bah, du coup, on a changé un peu, on s'est mis comme ça pour se couper un peu du vent. Parce que là, ici, il y a le vent, il arrive de là, en fait, juste là-bas, là. Non, donc on s'est fait un petit carré VIP. Tiens, regardez le gâteau, il a ça pour couper le bois. Moi, c'est ce que je vais prendre, je vais acheter un petit truc comme ça, c'est sympa. Rocky, pousse-toi. Il est fou, il va se mettre... Il va se mettre dans la lame. Je vais lui passer là, je vais faire un smoky. Tiens, regardez la professionnelle. Wow. Ah, ça va. Wow. Ouais, on est en train de se faire une petite partie de Molky, c'est sympa comme jeu ça. Ouais. Ça change un peu des boules de pétanque et tout. Ouais. Bon, première partie, c'est Tony qui a gagné, puis là, bah, du coup, là, c'est serré. On va voir ça, hein. Un peu plus difficile, ouais. Je vais pas taper la 8 au lieu du 5. Bon, les potos, on va pas tarder à faire à manger. Puis ma petite femme, elle a fait des pâtes au thon. Ce midi, on s'est régalé avec le cassoulet à Lulu. Très très bon. D'ailleurs, je vous invite à passer au lac de Béron pour le cassoulet. Il en reste. Ouais, mais quand ils auront vu la vidéo, il n'y en aurait sûrement plus. Hein. Allez, demain, j'essaierai de vous faire un petit tour. J'essaierai de me balader ici, mais franchement, bah, c'est un coin qui est vachement paisible. Hein. Celui qui veut se poser tranquille pour passer une semaine ici, franchement... Ah Tony, je vais te griller ton spot là. Mais franchement, non, ici c'est vachement paisible. Après, je pense que comme on disait, vers le mois de mai et tout, bah il y a du monde, hein, forcément, dès qu'il y a le soleil, ça attire du monde. Après, on dit que c'est des chiens méchants. Regardez cette bestiole. Bah ça ronfle, ça pète. Ah mon Rocky. Ah mon gros. Mon gros pépère. Allez papa, mais je flash. Hein. T'as une tête de bionte. Regardez, on a à moitié de la neige, un mélange de neige et de grêle, là. Je sais pas quoi là. Un truc bizarre. Les Ardennes, c'est ça Hugo. Venez dans les Ardennes. Par contre, si vous venez dans les Ardennes, vous prévoyez un bon manteau et des skis. Allez, c'est parti, on quitte les poteaux. Salut les poteaux, ciao ciao. Allez, au 10 mai, gros. Non, il marche pas le klaxon. Ouais, mon klaxon, je sais pas, un coup il marche, un coup il marche pas. C'est un délire. Regardez, je vais vous filmer un peu le lac là à la sortie. Vous allez voir comment c'est joli. Et vous allez voir, les gars, regardez comment c'est joli la sortie là, du lac là. En fait, les deux étangs, en fait, ils se rejoignent. Enfin, ça fait. Tournez à gauche sur D212. Ça fait vous avez l'eau des deux côtés. Quand on reviendra au moitié, je vous ferai des vidéos. Dans 1,5 km, tournez à droite sur D991. Les petits poteaux. Bon, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce et mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, bisous bisous, à la prochaine vidéo. Bye bye les poteaux.